Alors, bonjour à toutes et à tous. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a à peu près une heure pour parler des stratégies développées par les plateformes collaboratives pour s'implanter en Europe. Et donc, l'objectif de cette séance, eh bien, ce sera d'identifier la stratégie, le modèle qui a été suivi par cette plateforme collaborative. Et puis ensuite, comment, une fois que cette plateforme se sont confrontées à différentes parties prenantes en Europe, ont fait évoluer leur modèle. Et ces différentes parties prenantes, c'est bien entendu les autorités publiques, mais aussi la société civile via l'opinion publique, la presse, et enfin les différentes parties prenantes, les utilisateurs de ces plateformes, en règle générale, qui agissent par le biais d'actions en justice. Alors, lorsqu'on veut parler stratégie des plateformes collaboratives, vous l'aurez bien compris à ce stade-ci du cycle de conférences, cela recouvre une diversité de pratiques assez impressionnante. Cela concerne par exemple l'optimisation de l'utilisation de certains biens, c'est le covoiturage, la location de votre logement lorsque vous partez en vacances. Cela concerne la réutilisation de différents biens, vous donner un objet dont vous n'avez plus besoin, etc. Toutes ces pratiques ne sont évidemment pas nouvelles. La grande nouveauté, c'est la manière dont elles vont fonctionner via ces plateformes qui mettent en commun les utilisateurs. Si on veut parler stratégie des plateformes, il faut évidemment en amont se mettre d'accord sur ce qu'on entend par plateforme collaborative. Et ici, on va prendre plus particulièrement la perspective des autorités publiques. Comment une autorité publique va identifier une plateforme comme étant une plateforme collaborative. Alors, la Commission européenne, dans une communication sur l'économie collaborative, a identifié un certain nombre de critères, un nombre de caractéristiques qui s'attachent à ces nouvelles plateformes. Alors, parmi ces caractéristiques, vous avez en particulier l'utilisation des données personnelles. Les plateformes collaboratives ne pourraient pas fonctionner sans avoir la possibilité de collecter vos données personnelles, ce qui permet à ces plateformes d'assurer leur fonction de mise en relation entre les différents utilisateurs. Une autre caractéristique est, par exemple, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, un des grands facteurs du développement, par exemple, d'Airbnb a été la possibilité pour cette plateforme de se reposer sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de notre séance, on va opérer une distinction entre plateformes sur base de plusieurs critères qui sont au nombre de trois. Le premier est la distinction entre des plateformes qui sont en réalité des places de marché, donc par exemple c'est le cas d'eBay ou encore de deuxièmemain.pe, et puis les plateformes qui vont aller un peu plus loin en structurant le service qui est proposé via leur application. Typiquement, il s'agit d'Uber et d'Airbnb. Le deuxième critère de distinction est la question de la rémunération. Certaines plateformes vont monétiser leurs services, en règle générale en percevant une commission ou en louant des encarts publicitaires sur leur application ou leur site. Et puis d'autres plateformes ne se rémunèrent pas, opèrent à titre gratuit. Et enfin, un troisième critère qui est assez important est celui de l'économie dans laquelle les plateformes vont opérer. Est-ce qu'elles mettent en relation des professionnels avec des particuliers ou est-ce qu'elles concernent l'économie du peer-to-peer? Alors, ici, on va examiner les plateformes qui, d'une part, structurent leurs services, qui vont structurer ces services contre une rémunération, et qui, enfin, vont mettre en relation des particuliers entre eux qui se situent dans l'économie du peer-to-peer. Et pour étudier ces plateformes, on ne peut pas, évidemment, dans le cadre de notre présentation, explorer toutes les différentes plateformes qui existent. On en a donc sélectionné deux, qui, sans surprise, font partie des plus connues, Uber et Airbnb. Alors, pourquoi ces deux plateformes? Tout simplement parce qu'il s'agit de plateformes à l'égard desquelles il existe le plus de données empiriques. Elles sont aussi les plateformes qui ont suscité le plus de réactions de la part des autorités publiques, mais aussi de la société civile. Alors, dans un premier temps, on va un petit peu dresser la carte d'identité de ces deux plateformes, d'Uber et d'Airbnb. Ensuite, on analysera le modèle que ces deux plateformes ont utilisé pour pouvoir s'implanter en Europe. Et enfin, on examinera les réactions qui ont été
apportées au développement des plateformes collaboratives par les autorités publiques, la société civile et les différents utilisateurs, les parties prenantes. Alors, Uber et Airbnb sont deux plateformes qui naissent à l'horizon 2008, donc ça fait 10 ans en 2018, qui vont prendre naissance dans le terreau assez fertile de la Silicon Valley. Alors Uber, la légende voudrait que son fondateur ait eu l'idée de créer la plateforme à Paris. Il souhaitait, à l'issue d'une conférence, prendre un taxi et n'en a pas eu. Et il s'est dit que ce serait quand même beaucoup plus utile d'appuyer uniquement sur un bouton de mon smartphone pour pouvoir réserver une course. Airbnb, il s'agit de deux jeunes designers qui habitaient San Francisco et qui... en marge d'une grande conférence en matière de design qui avait eu pour effet de rendre tous les hôtels complets, se disent, tiens, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là, on pourrait louer une partie de notre logement, mettre des matelas pneumatiques, proposer en plus le déjeuner et de partager un moment avec les personnes qui souhaitent assister à la conférence mais qui n'ont pas eu la possibilité de réserver dans un hôtel. Et à la suite de ça, ils décident de mettre en place une plateforme et donc de créer un outil. Ils croissent assez rapidement et décident de s'implanter en Europe. Et pour s'implanter en Europe, ils vont utiliser une stratégie qui est plutôt agressive, notamment du point de vue de l'optimisation fiscale. Donc, la technique consiste, comme ça a été le cas par exemple pour Airbnb, d'acquérir un de leurs concurrents qui se situe en Europe et à partir de là, développer des bureaux dans différentes villes européennes pour s'étendre. Et ils vont chacun recourir à un système assez complexe de filiales qui vont être chapeautées par une holding. Alors si on prend par exemple le cas de Uber, Uber possède des filiales dans plusieurs États membres de l'Union européenne et toutes ces filiales vont reverser leurs bénéfices à la filiale qui est située aux Pays-Bas. Alors, à ce stade-ci, on se dit, a priori, c'est le libre choix qui résulte du marché intérieur, la libre circulation qui permet à une entreprise de choisir le siège social de son entreprise. Sauf que ici, l'objectif est très clairement de trouver le moyen de payer le moins d'impôts possible, puisque les Pays-Bas ne taxent quasiment pas les royalties. Ensuite, ces bénéfices sont transférés dans une société qui se trouve dans un paradis fiscal aux Bermudes, et cette société retransfère ensuite l'argent dans une société américaine, une holding qui, quant à elle, est implantée au Delaware. En ce qui concerne Airbnb, le mécanisme est un petit peu différent. On a aussi un système de filiales qui sont implantées dans les différents États membres. Et ces filiales vont reverser leurs bénéfices à deux d'entre elles, une qui est située en Irlande et une autre qui est située au Royaume-Uni, également parce que ces deux États pratiquent des taux d'imposition qui sont avantageux. Et puis ce système de filiales est chapeauté là aussi par une holding qui va être incorporée au Delaware. Donc, ça signifie pratiquement que si vous avez une transaction qui est conclue, par exemple, en Belgique, eh bien, la Belgique ne va percevoir quasiment pas d'imposition. Donc, c'est une structure assez complexe qui a été mise en place dans un objectif, évidemment, de payer le moins possible d'impôts. Et on commence déjà à voir qu'on s'éloigne sans doute du modèle de l'économie collaborative. Ce n'est plus à ce stade-ci un modèle qui a par exemple un objectif social ou de partage. L'objectif est très clairement de maximiser les bénéfices qui sont réalisés par ces deux entreprises. Alors si on regarde plus précisément, on va dire, leur carte d'identité à différents égards, financières, en termes d'employés, en termes de propositions sur le marché, on a ici le cas d'Airbnb. Donc, par exemple, Airbnb va être présent dans 81 000 villes réparties dans 191 pays, donc c'est évidemment une offre énorme qui représente à peu près 4 millions d'annonces à travers le monde, mais tout de même seulement 3 100 employés. Et puis surtout, c'est intéressant de regarder leur actionnariat. Et à l'intérieur, on va retrouver les fondateurs, mais on va surtout retrouver des investisseurs à risque, donc ces fameux fonds qui sont présents dans la Silicon Valley et qui vont investir massivement dans des startups.
C'est à peu près la même chose pour Uber en ce qui concerne la structuration de leur actionnariat. Là aussi, on va retrouver les fondateurs et puis des investisseurs à risque. Et donc, c'est un autre élément qui montre qu'on n'est plus dans l'économie du partage, qu'on a vraiment un objectif commercial qui est derrière ces plateformes dites collaboratives. Donc Uber aussi hein, représente quand même 75 millions d'utilisateurs qui sont actifs dans à peu près 600 villes et 78 pays. Donc ce sont à l'heure actuelle deux plateformes qui sont présentes mondialement, qui représentent un poids économique certain. Et ces deux plateformes vont utiliser une stratégie, un modèle qui se ressemble pour pouvoir s'étendre en Europe. Alors, c'est un modèle qui est assez connu, c'est celui de l'autorégulation. Et donc, les plateformes collaboratives Airbnb et Uber vont mettre en place leurs propres normes qui s'imposent à leurs utilisateurs, vont prévoir des dispositifs qui permettent d'assurer la mise en œuvre de ces normes et, éventuellement, en cas de non-respect, leurs sanctions. Alors, parmi ces normes, on retrouve premièrement, les critères d'admissibilité sur la plateforme. Donc, typiquement, si un hôte veut proposer un logement, il va devoir remplir certains critères. Par exemple, offrir des éléments essentiels dans le logement. Par exemple, les draps, les couettes, le linge, du savon, de la vaisselle, etc. Il va devoir être réactif, ce qui signifie qu'il doit répondre aux demandes de réservation et d'information dans un délai de 24 heures. Il doit accepter les demandes de réservation et il doit surtout éviter les annulations, sauf des hypothèses liées à la force majeure. Les prix sont en principe fixés par l'hôte, tout en étant suggérés par Airbnb. Airbnb qui va se baser sur différents facteurs, par exemple liés à la localisation du logement qui est proposé par l'hôte. Dans les conditions générales d'Airbnb, hein, qui forment le contrat qui est conclu entre l'hôte, les différents utilisateurs et la plateforme, il est bien mentionné que l'hôte demeure le seul responsable des annonces qui sont publiées sur la plateforme. Airbnb, quant à elle, considère qu'elle ne gère absolument pas ces différentes annonces. Et donc, cela fait écho à cette rhétorique qui est développée par les plateformes collaboratives, qui consiste à dire « nous n'agissons qu'en tant qu'intermédiaire, et c'est uniquement ce que nous faisons entre les différents utilisateurs ». Ce qui signifie également que Airbnb précise qu'entre l'hôte et Airbnb, il n'existe aucune relation de type employé, mandant, mandataire. Et lorsque un contrat est conclu, lorsqu'une transaction est conclue sur la plateforme, eh bien le contrat ne va exister qu'entre l'hôte d'une part et le voyageur d'autre part. Donc les hôtes qui sont actifs sur la plateforme, selon Airbnb en tout cas, agissent en tant qu'entrepreneurs tiers indépendant. Airbnb est clairement une plateforme qui se monétise et elle se monétise via des commissions. Donc elle perçoit 3% dans le chef de l'hôte et à peu près 9% dans le chef du voyageur. Alors je vous l'ai dit, Airbnb se considère comme une simple plateforme d'intermédiation sans plus. Néanmoins, la plateforme propose des services. Un certain nombre d'entre eux. Alors certains sont facultatifs. Par exemple, la possibilité de recourir à des photographes professionnels, ce qui permet ensuite à l'hôte d'afficher un petit pictogramme sur ses photos, mentionnant qu'elles ont été vérifiées par Airbnb et donc elles sont conformes à la réalité. Mais vous avez certains services qui sont obligatoires et donc les utilisateurs sont obligés d'y recourir. Un exemple, c'est la question de la résolution des différends qui peuvent naître à la suite d'une transaction conclue sur Airbnb. Donc le cas typique, un propriétaire loue son bien pour un week-end, revient à la fin de son week-end et son logement a été complètement saccagé. Eh bien, via les conditions générales d'Airbnb, le locataire et le propriétaire se sont engagés à résoudre leurs différends via la plateforme, via un centre de résolution des litiges qui est mis en ligne par Airbnb. Et donc, ce règlement à l'amiable est chapeauté par Airbnb ou par une personne qu'elle désigne et ils ne peuvent pas recourir, par exemple, aux voies judiciaires. Une fois que ces normes ont été établies par Airbnb, eh bien la plateforme va aussi mettre des moyens pour vérifier leur mise en œuvre. Alors, le système est assez classique avec ces plateformes, c'est la mise en place d'un système d'évaluation. Donc, les différents utilisateurs vont être évalués. Et les hôtes ont la possibilité de vérifier
cette évaluation, leur progression via un outil qui est mis en place par Airbnb, qui va par exemple leur expliquer le taux d'annulation, à quel point est-ce qu'ils sont réactifs, quelle est leur notation globale. Et les utilisateurs, les hôtes qui sont les plus performants, eh bien, reçoivent des récompenses. Ces récompenses, c'est via le système du super host. Donc ça signifie que si vous obtenez une notation globale qui est de 4,8, si vous répondez dans 90% des cas dans les 24 heures d'une demande, que vous n'annulez jamais vos réservations, que vous recourez régulièrement à la plateforme, vous allez recevoir une récompense. Cette récompense, c'est ce statut spécial qui vous ouvre certaines voies. Par exemple, Airbnb vous garantit une meilleure visibilité, ce qui va avoir pour effet d'augmenter votre taux de réservation. Et donc, en règle générale, les superhosts gagnent à peu près 22% de plus que les hôtes standards. Vous avez, par exemple, des procédures simplifiées de résolution des différends qui vous ont offertes, ou même des crédits voyage. Donc, vous avez à peu près $100 qui sont disponibles et vous pouvez réserver un logement pour vos propres vacances via Airbnb. Et lorsque les normes mises en place par Airbnb ne sont pas respectées, eh bien, la plateforme met en place ses propres sanctions. Et ces sanctions, elles sont de différentes natures, elles sont aussi graduées. Dans certains cas, il s'agit uniquement de limiter votre utilisation ou votre accès à la plateforme. Si, par exemple, votre notation baisse, qu'alors qu'auparavant vous étiez un super host et que vous passez en dessous de la notation de 4,8 sur 5, eh bien, vous pouvez voir votre statut spécial tout simplement révoqué, de manière définitive ou temporaire. Et la sanction ultime, on va dire, eh bien, c'est la suspension de votre compte, qui elle aussi peut être temporaire ou définitive, en sachant qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus recréer de compte sur Airbnb. Alors, ça, c'est le modèle d'autorégulation qui a été mis en place par Airbnb. Et on va voir qu'il est assez similaire, en tout cas qu'il s'en rapproche sur de nombreux points, avec celui mis en place par Uber. Et pour cela, je passe la parole à Arnaud. Merci beaucoup, Louise. En effet, on peut dire que Airbnb et Uber présentent de nombreuses similarités, des traits caractéristiques communs sur de nombreux points, puisque... au niveau des normes, les règles du jeu, c'est aussi des critères d'admissibilité qui sont très souples. Finalement, pour devenir un chauffeur Uber, eh bien, rien de plus simple. En tout cas, dans un premier temps, il suffit d'avoir 21 ans, d'avoir un permis, d'avoir un véhicule avec 4 portes de moins de 7 ans et d'une valeur de catalogue de 33 000 euros. Et Uber, dans sa générosité, prévoit une séance d'information. Concernant les règles du jeu, on voit que Uber met directement l'accent sur le fait que les chauffeurs sont des entrepreneurs tiers indépendants et que Uber n'est pas une société de transport. En effet, lorsqu'on lit les conditions générales, dans l'article 2, marqué en gras, finalement en police presque 36, vous lisez « Vous reconnaissez qu'Uber ne fournit pas de service de transport et qu'elle n'agit pas en qualité de transporteur ». Et que l'ensemble des 10 services de transport sont fournis par des prestataires tiers indépendants qui ne sont pas employés de Uber. Voilà, les règles sont claires. Les prix, quant à eux, sont fixés de manière relativement aléatoire par un algorithme qui jauge de l'offre et de la demande et qui fait augmenter ou descendre les prix en fonction des moments de la journée et des lieux où se trouve la demande. Vous avez également dans les conditions générales de vente, dans son article 5, une clause générale de non-responsabilité qui nous dit clairement Uber ne garantit pas la qualité, pas le caractère adéquat, pas la sécurité, pas la capacité des prestataires tiers. Vous acceptez que les risques découlant de l'utilisation que vous faites des services vous appartiennent intégralement et n'appartiennent qu'à vous seul. Enfin, en termes de rémunération, ici, on voit que Uber, pour mettre finalement en connexion l'offre et la demande, prend une rémunération, une commission de 20%. Alors, ça, c'était les règles du jeu, mais Uber va un petit peu plus loin.
elle prévoit également un certain nombre de règles de comportement qui sont contenues dans sa charte de la communauté. Il y a des règles qui valent envers aussi bien les chauffeurs qu'envers les utilisateurs, les passagers. Bien sûr, on ne dégrade pas le bien sûr, pas de contact physique, pas d'injures, pas de SMS après la course pour rentrer dans un jeu de séduction et une interdiction générale de discrimination dans un sens comme dans l'autre. Et vous avez également une série de règles qui sont plus spécifiques aux conducteurs. Eux, ils ont des objectifs un peu plus chiffrés. On leur demande de ne pas annuler les courses. Le chiffre de 5% est avancé, maximum. Le taux d'acceptation, quant à lui, des courses est assez aléatoire, discrétionnaire, varie d'une ville à l'autre, mais on leur demande d'accepter un maximum de courses, ou en tout cas, s'ils veulent ne pas utiliser Uber, à ce moment-là, eh bien, on leur demande d'éteindre l'application pour justement ne pas faire descendre leur taux d'acception. Enfin, dernière règle spécifique aux conducteurs, l'évaluation de clients qui serait trop basse, eh bien, n'est pas acceptable. Ce taux, alors j'ai été sur tous les forums des chauffeurs Uber, c'est assez compliqué, je vous avoue que j'ai vu quelques pépites que je vous raconterai, mais varie en fonction d'une règle à l'autre et les règles ne sont en tout cas pas transparentes. Donc nous avons un corps de règles. Ce corps de règles est mis en œuvre par un système d'évaluation chiffrée que j'ai appelée biface, c'est-à-dire que et le conducteur et le client notent la qualité de sa course et permet même de faire des commentaires concernant la qualité du service. Donc on a un système qui est très proche de ce qui existe chez Airbnb. Et vous avez également un système de carottes, de bon élève de la classe en quelque sorte, qui s'appelle le programme Momentum. En deux mots, les chauffeurs qui acceptent beaucoup de courses, qui annulent un minimum de courses, qui se comportent bien, eh bien, reçoivent des médailles de bronze, d'argent et d'or, qui leur permettent d'accéder à toute une série de privilèges, des réductions sur les prix des carouaches, des réductions sur le prix de l'essence. Et j'ai vu sur le forum bruxellois qu'il y avait une réduction de 10% sur les locations de salles de futsal. Donc vous voyez, les avantages vont dans tous les sens. En faisant mes recherches, je ne résiste pas à faire un petit détour par les États-Unis, où là, les Uber États-Unis étaient peut-être un petit peu plus loin, puisqu'ils ont carrément mis en place un système de contrôle de la conduite qui se retrouve ici représenté en bas à droite, où en fait, le système analyse la qualité de votre freinage et la qualité de vos accélérations. Est-ce que c'est trop brusque? Est-ce que ça a été fait de manière progressive? Et en fonction de cela, vous obtenez une note bonne ou mauvaise. Ici aussi, afin de maîtriser en quelque sorte le contentieux, enfin, afin de maîtriser les normes, le sens apporté aux normes, l'interprétation de ces normes, Uber privilégie la médiation. La médiation, puisqu'on peut lire dans les conditions générales que tout litige sera obligatoirement soumis à la procédure de règlement amiable des différends. C'est une procédure internalisée. Et si cette procédure à l'amiable n'aboutit pas dans les 60 jours, à ce moment-là, eh bien, vous devez, l'affaire sera déférée définitivement et exclusivement à l'arbitrage, conformément aux règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. La Chambre de commerce internationale, dont le siège de l'arbitrage ici est choisi, c'est Amsterdam, et c'est le droit néerlandais qui est le droit qui sera appliqué. Donc, pas de grande différence finalement entre les deux plateformes, mais qu'est-ce qu'on voit pour faire le point sur ces deux stratégies initiales des plateformes? Eh bien, on voit quatre choses. On voit un discours marketing commun. C'est la success story. Ce sont de jeunes étudiants qui viennent d'être diplômés, qui ont une bonne idée, qui pensent à faire ça dans leur cote en quelque sorte, qu'ils n'arrivent pas à payer, ils trouvent une idée, mettent des matelas. De l'autre côté, il y a une conférence, ils se disent « ah, ça serait vraiment bien ». Et donc, il y a toute une storytelling qui entoure la création de ces deux plateformes. Tout ça, en quelque sorte, avec
une philosophie de l'économie ou un discours sur l'économie du partage avec un discours qui dirait que ces plateformes sont en fait uniquement des diffuseurs de confiance et qui est tourné résolument vers l'avenir puisqu'ils disent « il faut vivre avec notre temps, il est temps de changer nos anciennes pratiques, nous sommes à l'ère numérique, s'il vous plaît, utilisez ces instruments, tournons-nous vers l'avenir, les pratiques actuelles ou les pratiques passées sont ringardes ». Au-delà de ça, on voit aussi une structure fiscale de minimisation d'impôts dans les deux plateformes, une plus agressive que l'autre. Uber, à travers les Bermudes, va sans doute plus éviter l'impôt que, en quelque sorte, Airbnb, qui joue un petit peu plus le jeu du marché intérieur. Mais on voit qu'il y a clairement cette volonté-là qui n'est finalement pas tellement en phase avec l'économie du partage. Mais soit, passons. On voit également une stratégie agressive de développement. Alors, pour vous résumer cette stratégie agressive de développement, j'ai trouvé un véritable bijou. Le fondateur de PayPal, qui s'appelle M. Peter Thiel, a finalement résumé de manière tout à fait juste cette stratégie de développement de ces deux plateformes lorsqu'il dit, en fait, c'est assez simple, ces deux plateformes, c'est trouver beaucoup d'argent, se développer rapidement et mettre les législateurs devant le fait accompli. C'est vraiment l'idée que Google avait avancée à l'époque de « better ask for forgiveness than permission ». C'est vraiment l'idée, on occupe le terrain, on s'impose en quelque sorte aux structures, aux législations, aux réglementations existantes. Et une fois qu'on a pris tellement de place, on devient en quelque sorte incontournable pour les autorités locales, régionales, nationales ou européennes en l'occurrence. Enfin, une stratégie de gestion du risque juridique, j'ai appelé ça comme ça, je ne sais pas si c'est tout à fait heureux, où on voit qu'il y a une volonté de responsabilité minimale, ils se retranchent tous les deux derrière une qualification d'intermédiaire technique. Le premier ne veut absolument pas être qualifié d'hôtelier, le deuxième ne veut absolument pas être qualifié de transporteur, parce que les régimes juridiques afférents à ces deux professions sont bien différents de celles d'intermédiaires techniques qui bénéficient en quelque sorte d'un statut de quasi-irresponsabilité. D'ailleurs, cette volonté de responsabilité minimale, comme je vous l'ai dit, est marquée, encore remarquée, signée par toutes les parties dans les conditions générales et dans les contrats les liant. Vous avez aussi dans cette gestion du risque juridique une véritable défiance vis-à-vis des réglementations nationales et locales. Et là, je vais citer deux phrases des fondateurs de Uber et de Airbnb. Brian Chesky, qui est l'actuel patron de Airbnb et qui est cofondateur, va assez loin puisqu'il considère que le combat mené par Airbnb vis-à-vis des réglementations nationales et locales peut être comparé au combat de Gandhi vis-à-vis de l'oppression britannique. Donc, ils ont quand même une certaine image de la réglementation et de leur rôle qui en fera sourire plus d'un. En tout cas, moi, ça m'a fait pas tellement sourire, mais ça m'a atterré. Et Travis Kalanick, qui était le cofondateur et patron pendant très longtemps de Uber, qui a dû démissionner récemment, déclare dans la presse tout simplement détester le socialisme et la régulation. Les choses sont claires, les choses sont dites par les fondateurs. Enfin, dernier point de cette gestion du risque juridique, on voit qu'il y a un modèle qui est vraiment autosuffisant avec la création de ses propres normes, la création de ses propres dispositifs de mise en œuvre et de contrôle et les volonté de maîtriser en quelque sorte le contentieux à travers principalement la médiation et lorsque ça se passe vraiment très très mal, à travers l'arbitrage. Et donc je dirais comme première image, lorsqu'on a fait cette recherche, Louise et moi, on a vraiment eu l'image de deux sociétés pour lesquelles on avait un a priori vraiment positif parce que nous avions utilisé sans doute Airbnb et Uber et qu'on s'était sans doute dans une certaine mesure laissé séduire par un certain discours, mais on a vraiment vu l'idée de société qui était sans doute inspirée par des volontés d'autorégulation, avec l'image
du cow-boy version postmoderne requalifié à la sauce de la Silicon Valley. Voilà pour cette première étape dans notre parcours des deux plateformes. Toutefois, ce modèle d'autorégulation en Europe n'est pas resté lettre morte et il y a eu un certain nombre de réactions que nous allons vous décrire maintenant. Donc effectivement, on va voir comment cette lutte héroïque d'Airbnb et d'Uber contre les réglementations et les éventuelles réactions de la société civile se sont passées. Donc, on a vu leur modèle d'autorégulation et ce modèle d'autorégulation va donc se confronter de plein fouet à différentes composantes de nos sociétés, évidemment l'opinion publique, les autorités publiques et leurs fameux pouvoirs réglementaires et enfin les parties prenantes qui ont aussi la possibilité de faire évoluer ce modèle via des actions en justice. Et donc, peu à peu, ces stratégies développées par Uber et Airbnb ont été mises sous pression, de sorte qu'ils ont dû adapter certains points dans le modèle qu'ils avaient mis au point. Alors, on va dans un premier temps examiner les différentes controverses, les différentes réactions qui ont traversé l'opinion publique face au développement de ces plateformes collaboratives. Alors, en ce qui concerne Airbnb, lorsque l'on lit la presse, lorsque l'on parcourt les forums, on a diverses pratiques qui ont été dénoncées. Je vous en ai mis trois exemples. Le premier exemple, et on s'en doute, c'est ces structures d'évitement de l'imposition qui ont tendance évidemment à susciter des réactions au sein de la presse parce que évidemment de nombreuses transactions sont par exemple conclues en Belgique via Airbnb et pourtant la Belgique ne perçoit quasiment aucun impôt sur les bénéfices qui sont ainsi réalisés. Donc, cela suscite un certain nombre de mécontentements. Un deuxième exemple est lié au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et ces deux secteurs, évidemment, dénoncent le fait que Airbnb réalise exactement la même activité qu'eux, mais sans être soumis aux mêmes réglementations. Donc, typiquement, pour les agences de voyage ou les agents immobiliers, eh bien, ils estiment que Airbnb fait la même chose, mettre en contact un propriétaire avec un locataire, sauf que eux, en tant qu'agence, sont soumis à certaines règles en matière d'assurance, en matière d'autorisation, d'immatriculation, etc., qui peuvent s'avérer assez lourdes, mais qui ne pèsent pas sur Airbnb. Et donc, derrière ce discours, derrière cette dénonciation, on voit déjà se profiler l'argument juridique qu'en fait, Airbnb, eh bien, c'est une concurrence déloyale par rapport au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Un troisième exemple est lié à la question de la sécurité des locataires et des propriétaires. Je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure, hein, c'est ce fameux propriétaire qui revient chez lui après avoir loué son logement sur Airbnb qui retrouve son appartement saccagé. Eh bien, il y a eu énormément d'affaires qui ont été relayées par la presse au point qu'Airbnb a décidé d'intervenir. Et donc là, on voit une première inflexion dans le modèle qui avait été dessiné par la plateforme. Et donc, en réponse à tous ces problèmes, Airbnb a mis en place une garantie hôte. Donc l'idée, c'est d'assurer le bien qui est loué via Airbnb pour tous les dommages qui seraient causés par le locataire. Et cette assurance monte jusqu'à 800 000 euros. Alors, Airbnb a également mis en place une deuxième assurance, qui est l'assurance responsabilité civile. Donc, cette fois-ci, c'est d'assurer le propriétaire contre les dommages qui pourraient avoir été causés à l'intérieur du bien loué au locataire lorsque celui-ci décide d'intenter une action en justice. Alors, les conditions, par contre, de cette deuxième assurance ne sont pas très claires parce que Airbnb ne les a jamais rendues publiques. Alors, au-delà de ces problèmes, de ces pratiques qui peuvent être dénoncées dans la presse, Airbnb a aussi dû faire face à plutôt des réactions qui étaient de nature politique ou éthique, morale. Donc là aussi, je vous ai mis plusieurs exemples. Alors le premier, c'est un développement agressif qui a été utilisé par Airbnb. Exemple, je vous l'ai dit, Airbnb est créé en 2008 et à l'époque, il existait déjà en réalité des plateformes qui permettaient de mettre en contact différents utilisateurs. À l'époque, un des leaders, c'était Craigslist, avec un fonctionnement un peu différent d'Airbnb, puisque là, c'était un système de petites annonces. Donc, des particuliers pouvaient mettre des petites annonces via cette plateforme, d'autres particuliers répondaient, etc. Et donc, notamment,
des logements pouvaient être loués de cette manière-là. Eh bien, la légende voudrait que Airbnb a eu une croissance aussi importante et rapide en spammant les utilisateurs de cette plateforme, de Craigslist, de manière à les capter. Donc voilà, c'est le genre de petite pratique qui ne plaît pas particulièrement d'un point de vue moral et éthique. Et un deuxième exemple, c'est une controverse qui est née par rapport à la possibilité de louer des logements dans les colonies occupées de Cisjordanie. Et donc pour cette raison, Airbnb se retrouve sur la liste de l'association internationale Boycott des investissements et sanctions qui demande donc à Airbnb de désactiver les annonces qui permettent de louer ces fameux logements qui se trouvent dans des colonies occupées. Et puis enfin, vous avez une troisième manière dont l'opinion publique s'est exprimée, c'est via des mouvements citoyens. Et ces mouvements citoyens dénoncent en particulier une pratique, évidemment, qui vient en même temps qu'Airbnb, qui est le tourisme de masse. Alors, Airbnb, mais pas seulement, bien entendu. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où il est plus rentable pour vous de louer votre logement via Airbnb que de le louer à des résidents qui sont permanents, les centres-villes, eh bien, tout simplement, se vident de leur population. Ce qui crée aussi un problème, évidemment, de spéculation et de tourisme de plus en plus important, puisque de plus en plus de logements sont disponibles. Alors, ça a par exemple été le cas à Barcelone. Et à Barcelone, qui connaissait déjà un tourisme important, qui s'est accentué avec le développement d'Airbnb et qui a causé énormément de nuisances aux locaux, aux Barcelonais. De tout type, que ce soit dégradation des biens publics, tapage nocturne, problème d'ivresse sur la voie publique, etc. Au point que les Barcelonais, eh bien, à plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, sont descendus dans la rue en exigeant de leur municipalité une réaction par rapport au phénomène d'Airbnb qui, on verra un peu plus loin, a effectivement porté ses fruits. Alors, autre réaction. On a la société civile et on a bien entendu les autorités publiques via l'exercice de leur pouvoir réglementaire. Au cours des séances précédentes, on a pu constater que les plateformes collaboratives, dont Airbnb et Uber, posaient un certain nombre de problèmes qui sont horizontaux. Par exemple, la question du droit du travail. Est-ce qu'on est face à des employés ou est-ce qu'on est face à, effectivement, des indépendants ? Est-ce que le droit de la protection des consommateurs s'applique de la même manière ? Et quid, par exemple, de la protection des données à caractère personnel ? Mais chaque plateforme va aussi poser des problèmes qui lui sont spécifiques en raison du marché dans lequel elle intervient. Donc, par exemple, pour Airbnb, c'est la question du logement, qui pose essentiellement trois problèmes. La disponibilité des logements à des prix accessibles, la régulation de l'offre touristique et la concurrence déloyale par rapport à d'autres secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie. Et face à ces différents problèmes, les autorités locales, les autorités publiques ont adopté différentes réponses. Par rapport à la disponibilité des logements à prix accessibles, de manière générale, la tendance consiste à autoriser les locations à courte durée, moyennant une limite en termes de nuitée, donc de possibilité de louer pendant un certain nombre de jours votre logement, et soumis dans certains cas à une autorisation ou une déclaration, et dans d'autres, pas du tout. Donc certaines villes vont se montrer plus accueillantes vis-à-vis d'Airbnb que d'autres, en fonction de l'intensité avec laquelle le problème de l'accessibilité des logements va se poser. Et donc je vais vous donner deux, trois exemples qui montrent un petit peu le panel de réactions qu'il y a pu avoir. Alors, par exemple, on va prendre Bruxelles, puisque, après tout, on y est, qui a adopté, la région bruxelloise, c'est une matière régionalisée, a adopté une ordonnance plutôt restrictive, en réalité, puisque vous pouvez louer votre logement pour une courte durée. Mais pour cela, vous allez devoir faire une déclaration préalable qui, en réalité, s'assimile quasiment à un régime d'autorisation. Vous devez faire votre déclaration en l'accompagnant d'un certain nombre de documents. Par exemple, votre titre de propriété, un extrait de casier judiciaire. Si vous êtes dans un logement en copropriété, un accord de l'association de tous les copropriétaires. Donc c'est assez strict. L'administration va vérifier formellement si tous les documents sont bien présents. Et ensuite, ex post, il y aura des contrôles sur la réalité des conditions de l'hébergement. Alors, même si vous avez passé toutes ces étapes, vous ne pourrez louer votre logement que pour 120 jours au maximum par an.
Donc c'est un régime qui est assez strict. Vous avez des régimes qui sont encore plus stricts. Par exemple, c'est celui qui a été mis en place par Berlin. Donc à Berlin, vous ne pouvez pas louer votre logement en entier. Vous allez pouvoir le louer pour uniquement certaines parties, donc une chambre par exemple. Et là aussi, vous allez devoir demander une autorisation. En revanche, une réglementation qui est un peu plus accueillante est celle qui a été mise en place par Amsterdam. On accepte aussi les locations de courte durée, cette fois-ci sans autorisation, mais pour un maximum de 60 jours par an. En sachant que la mairie d'Amsterdam a conclu plusieurs accords avec Airbnb de manière à reporter l'exécution, on va dire, ou la mise en œuvre de ces réglementations sur la plateforme. Donc, par exemple, lorsque vous avez loué votre logement pour vos 60 jours qui sont autorisés, eh bien Airbnb va automatiquement désactiver votre annonce. Cela permet de s'assurer du respect de la réglementation mise en place par les autorités publiques. C'est également le cas à Paris, par exemple. Vous pouvez louer votre logement pour 120 jours au maximum. Passé ce délai, votre annonce va être désactivée par Airbnb. Deuxième type de problème qui se pose, la régulation de l'offre touristique. Je vous avais donné l'exemple de la grogne populaire qu'il y avait eu à Barcelone. Et le problème, en réalité, qui se posait à Barcelone, c'est que le décret qui avait été adopté par les autorités catalanes ne concernait pas la très grande majorité des locations Airbnb qui, de ce fait, se retrouvaient dans l'illégalité. Donc ce décret ne s'appliquait qu'à la location de résidence secondaire et que lorsque cette résidence secondaire était louée pour partie. Ce qui fait que la plupart des locations Airbnb étaient dans l'illégalité, soit parce qu'elles ne remplissaient pas les conditions du décret, soit parce que elle remplissait les conditions, mais n'avait pas demandé le permis qui était prévu dans le décret pour pouvoir louer votre logement. Alors, ça ne s'applique pas à la plupart des locations Airbnb et la municipalité décide de ne plus octroyer de permis de pouvoir louer son logement, c'est-à-dire de geler l'octroi d'autorisation. Mais évidemment, à partir du moment où la plupart des locations se trouvent dans l'illégalité, ça a eu une mesure évidemment qui est restée assez sans effet. Et donc, l'année passée, en janvier 2017, Barcelone a adopté un plan spécial pour les hébergements touristiques, et cette fois-ci en prévoyant un champ d'application un peu plus large, puisque cela couvre tous les logements qui sont loués de manière directe ou indirecte à des tiers, de manière temporaire et de manière répétée. Et ce plan va diviser la ville de Barcelone en différentes zones. Et dans chacune de ces zones, il faut pour le moment un permis pour pouvoir louer son bien. Et l'octroi de ces permis a été gelé. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de nouvelles annonces de logements, notamment via des plateformes comme Airbnb. Un troisième problème qui peut se poser, c'est la question de la concurrence déloyale vis-à-vis d'autres secteurs comme l'hôtellerie ou le tourisme. Alors, en particulier vis-à-vis de l'hôtellerie, la question se posait de la perception des taxes de séjour. Donc en principe, certaines autorités publiques perçoivent une taxe de séjour lorsque vous réservez une chambre dans un hôtel, etc. Pendant un certain nombre d'années, eh bien, cette taxe n'était pas perçue par Airbnb. Et donc il y a eu des réactions de la part des autorités publiques, là aussi, qui sont de diverses natures. Donc, par exemple, à Paris et à Amsterdam, l'obligation de percevoir cette taxe de séjour repose sur la plateforme, sur Airbnb, qui la perçoit et puis qui la reverse aux autorités publiques. Donc là aussi, c'est une manière pour les autorités de s'assurer du respect de la mise en œuvre de leur réglementation en concluant des accords avec les plateformes. Bruxelles a adopté plus récemment une autre technique qui consiste à faire peser l'obligation de percevoir la taxe sur les hébergements touristiques sur l'hôte lui-même, donc via un système de déclaration mensuelle du nombre de nuitées et donc le versement des taxes de séjour en conséquence. Et parallèlement, l'ordonnance bruxelloise fait peser sur Airbnb certaines obligations d'information. Ces obligations d'information portent à la demande des autorités publiques sur l'identification des hôtes, de la localisation de leur logement, du nombre de nuitées qui ont été réservées via la plateforme et des unités d'hébergement concernées. Alors, c'est donc une obligation d'information qui va assez loin et qui, comme on le verra, est actuellement contestée par Airbnb. Donc, en règle générale, et jusqu'à présent, Airbnb refuse de transmettre des informations qui soient individualisées, qui
permettent d'identifier clairement l'hôte ou l'utilisateur concerné. En revanche, Airbnb a accepté de transmettre certaines informations sous la forme de statistiques à partir du moment où les données étaient anonymisées. Et puis, enfin, on a les réactions via les différentes parties prenantes qui peuvent introduire des actions en justice. Alors là, parmi les exemples que je vous ai mis, je n'ai pas repris celui des discriminations, hein, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une analyse et d'une conférence assez étendue sur le sujet. Et donc, je vous ai mis trois hypothèses. Location illégale, c'est-à-dire la location qui se déroule sans être en conformité avec la loi. Les hypothèses de sous-location et enfin la question des données personnelles. Alors, par exemple, pour les locations illégales, eh bien, vous avez eu un cas à New York où New York autorise la location via Airbnb, mais uniquement pour une partie de votre logement et à condition d'être présent. Donc, vous ne pouvez pas louer, par exemple, lorsque vous êtes parti en vacances. Et donc là, il s'agissait d'un jeune monsieur qui avait loué sa chambre, qui n'était pas présent. Mais son coloc, par contre, était présent. Il est condamné par un juge new-yorkais. Et il introduit en appel et là reçoit le soutien d'Airbnb. Et donc Airbnb intervient aussi au support de certains de ses membres pour gagner tout simplement certaines batailles juridiques. Et effectivement, en appel, Airbnb et M. Warren ont gagné. Alors, un deuxième exemple est la sous-location. Alors, il faut savoir qu'en Europe, à peu près partout, je pense, au sein des différentes villes, vous pouvez louer, bien entendu, lorsque vous êtes propriétaire. En revanche, c'est plus compliqué de louer ou de sous-louer votre logement lorsque vous n'en êtes pas le propriétaire. En règle générale, vous devez obtenir l'autorisation de votre propriétaire pour proposer le logement via la plateforme. Et donc, vous avez, par rapport à cette situation, un jugement assez récent qui date de février 2018, où un locataire met son logement en sous-location via Airbnb, le loue à plusieurs reprises sans avoir obtenu l'autorisation de son propriétaire. Celui-ci s'en rend compte, décide d'introduire une action en justice, mais petite spécificité, il n'assigne pas seulement son locataire, il assigne également Airbnb, en soutenant que Airbnb a en fait manqué à un certain nombre de ses obligations que lui impose la réglementation à Paris. Et le juge parisien a effectivement condamné Airbnb pour avoir manqué à deux de ses obligations. Alors, la première, c'est l'obligation d'information. Airbnb a l'obligation d'informer ses hôtes de la réglementation qui s'applique. Et si la plateforme ne doit pas effectivement aller contrôler le respect de ces réglementations, elle doit à tout le moins obtenir une déclaration sur l'honneur de l'hôte. Ce que Airbnb n'avait pas obtenu. C'est le premier manquement. Deuxième manquement est lié à ce nombre de nuitées dont je vous ai parlé. Donc à Paris, il est possible de louer sa résidence principale moyennant une autorisation et uniquement pour 120 jours par an. Le problème, c'est que ce locataire avait sous-loué son bien pour plus de 120 jours sans que Airbnb ne réagisse. Donc là aussi, selon le tribunal de Paris, eh bien, il s'agissait d'un manquement aux obligations d'Airbnb. Et enfin, vous avez un troisième exemple qui est lié aux données personnelles et donc en particulier aux données que les autorités publiques peuvent exiger que Airbnb leur transmette. Donc, je vous avais parlé de cette fameuse ordonnance bruxelloise qui impose donc une obligation d'information à Airbnb, mais d'information qui va très loin puisque cela permettrait d'identifier clairement l'hôte, là où le bien se situe et aussi le nombre de nuitées. Airbnb s'y oppose formellement et donc il a introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle belge qui est toujours pendant. Alors on avait eu un cas assez similaire à New York où en 2013 le procureur général avait demandé à Airbnb de lui transmettre toutes les informations des trois années précédentes, donc entre 2010 et 2013, des utilisateurs qui avaient utilisé la plateforme Airbnb. Airbnb s'y était également opposé, avait introduit un recours devant la Cour suprême de l'État de New York que la plateforme avait gagné. Alors la solution en l'espèce avait consisté à transmettre certaines données au procureur général à condition que celles-ci soient anonymisées.
Et donc, suite à cette étude, eh bien, le procureur général a examiné plusieurs années de statistiques liées à l'utilisation de la plateforme et a conclu qu'à peu près 72% des transactions sur la plateforme étaient en réalité illégales. Et donc là aussi, il y a un enjeu qui est extrêmement important au niveau des données personnelles pour pouvoir assurer un contrôle dans le chef des autorités publiques. Alors ça clôture en tout cas l'examen en ce qui concerne les différentes réactions par rapport à Airbnb. Et maintenant, on va voir les réactions par rapport à Uber. A également suscité quelques vagues auprès de la société civile et auprès des journalistes. Alors parmi les différentes manifestations que j'ai pu identifier, je voudrais vous parler de celle-ci qui m'a paru particulièrement choquante. C'est ce que Uber appelait Rides of Glory. Je vous ai mis les schémas en bas. En fait, c'est une série de graphiques qui repose sur en fait les réels trajets des utilisateurs afin de montrer en fait les périodes et les quartiers où il y a le plus de voyageurs, le plus de voyages en deux temps durant la nuit au sein des 5 plus grandes villes des États-Unis. En d'autres termes, ces statistiques visent à identifier les moments et les endroits les plus propices pour des rencontres d'un soir. Donc on utilise les données réelles et on montre, ben voilà, vous pouvez voir au milieu à San Francisco, en rouge dense, eh bien c'est là où vous trouvez finalement ce type de double trajet au sein de la nuit. Et alors vous avez des graphiques qui montrent que par exemple, le jour où, ce qu'ils appellent aux États-Unis le tax pay, le jour où on est remboursé des impôts que l'on a potentiellement payés en trop, eh bien c'est une journée où, c'est une soirée en quelque sorte, où il y a finalement beaucoup, beaucoup de ce type de trajet. Vous voyez par contre que la nuit de Saint-Valentin est quant à elle la plus basse de tout le graphique. Ça m'a assez fort étonné, mais donc vraisemblablement, là, tout le monde reste chez soi. Alors, dans le mauvais goût, Uber fait fort. Il y a également eu cette option avion de chasse. Donc, l'option avion de chasse, c'est la possibilité de commander une voiture où le chauffeur est une jolie femme habillée de manière sexy. Et d'où le nom avion de chasse. Et vous voyez même que vous aviez la publicité, même une petite vidéo qui montrait une de ces chauffeurs. Et donc, vous pouviez, avec un petit surcoût, bien entendu, prendre un Uber avec, aux commandes, un avion de chasse. Vous avez également la dénonciation par la presse de commandes. Plus de 5000 courses ont été commandées par Uber auprès de ses concurrents, comme Lyft, pour ensuite les annuler afin de complètement déboussoler les concurrents, ce qui est une pratique finalement assez déloyale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, et les manches de presse sont très nombreuses. Vous avez eu plein de scandales à répétition concernant évidemment les agressions, des viols, également des harcèlements à la suite finalement d'une rencontre dans le taxi, harcèlement par coup de téléphone ou par SMS. Il y a même eu une histoire de meurtre. J'en ai vu qu'une. Vous avez évidemment beaucoup d'affaires avec des comptes d'usagers qui sont piratés et même actuellement des soupçons de corruption de certains responsables au niveau national. Vous l'aurez remarqué dans la presse, les manifestations des taxis sont presque généralisées. Vous en avez en France, en Belgique, au Canada, plus particulièrement au Québec. Vous en avez eu en Italie et en Espagne. Et vous avez particulièrement en France ce mouvement anti-ubérisation, qui le mot vient de Maurice Lévy, qui est un homme d'affaires franco-marocain, qui a parlé de l'ubérisation de la société, et dans la presse française, vous retrouvez ce terme et de nombreuses réflexions autour de cette évolution de la société qui est très souvent dénoncée. Alors, les autorités publiques ne sont pas restées en reste dans beaucoup de localités, de régions, voire même d'États. Il y a eu des lois en quelque sorte anti-Uber qui ont vu le jour. J'en ai pris les deux plus récentes, celle au Danemark en mars 2017, qui a renforcé
la réglementation concernant l'installation obligatoire de compteurs, et la manière dont les compteurs devaient être installés était totalement contraire à la manière dont Uber organise finalement sa facturation. Et donc, c'était une manière de réagir contre Uber, et le résultat était que Uber a quitté le Danemark, ou plus récemment encore, cette décision de l'autorité de transport londonienne qui a retiré la licence d'utilisation à Uber, la licence d'exploitation de Uber à Londres. Vous avez enfin toute une série de procès. Alors, depuis sa création en 2009, je suis tombé sur cette statistique qui m'a étonné, la société Uber a cumulé 161 millions de dollars de condamnations pécuniaires dans le monde. Et rien qu'aux États-Unis, elle a fait l'objet aujourd'hui de plus de 170 procès. Donc vous vous imaginez bien qu'il n'est pas possible d'en rendre compte exhaustivement, même pas au niveau européen. Ici, mon idée, c'est juste de vous dire que finalement, au niveau européen, vous avez trois problématiques qui se retrouvent dans la jurisprudence, qui sont principalement l'application ou non de la réglementation sectorielle en vigueur pour les services de transport. Vous avez la question de la concurrence déloyale avec les taxis. Et enfin, la question du statut social des travailleurs. Alors, l'affaire Uber est une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne prise sur question préjudicielle posée par un juge espagnol. Et cette affaire Uber, finalement, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Ben, la Cour de justice a dit très clairement que Uber Espagne, en l'occurrence, est un prestataire de services de transport. Que les choses soient claires, après une analyse minutieuse de la réalité de terrain, elle considère que ce n'est pas un service propre à la société de l'information, mais bel et bien un service de transport, ce qui avait donc un impact sur les questions de responsabilité. Si c'est transport, elle est responsable. Si c'était un service propre à la société de l'information, elle est, je vous l'ai dit, moins responsable ou dans un statut de quasi-irresponsabilité. La Cour de justice, ne l'oublions pas, a été un petit peu plus loin. Elle a aussi analyser la situation d'Uber en disant qu'elle ne tombait pas dans le champ d'application de cette fameuse directive service, la directive Bolkenstein qui a été revue, la directive service, parce que s'il s'agit bien de transport, que les transports sortent du champ d'application de la directive service et qu'elle donc disposait d'un autre siège dans le traité et que les questions de transport pouvaient être traitées au niveau de l'Union européenne, mais que pour cela il fallait un acte d'harmonisation. Or, il n'y en a pas aujourd'hui, nous dit la Cour de justice. Il n'y a pas de directive ou de règlement qui réglemente cette question au niveau européen. Et donc, vu que c'est une compétence partagée européenne, s'il n'y a pas d'harmonisation, chaque État membre garde la main, garde la compétence de réglementer. Et donc, c'est assez embêtant pour Uber, puisqu'elle doit se conformer finalement à des dispositifs juridiques différents dans les 28 États membres, puisqu'on considère que c'est une activité de transport. Donc voilà, j'ai envie de dire pour le premier point, l'arrêt le plus marquant sur cette question, qui tranche la question de manière en tout cas assez claire. Concernant la concurrence déloyale avec les services de taxi, il y a pas mal de jurisprudence. J'ai choisi la jurisprudence qui a eu lieu ici à Bruxelles, où il y a eu une saga devant le tribunal de commerce chambre néerlandophone de Bruxelles. Les taxis verts ont attaqué Uber en disant qu'ils fournissaient des services de taxi ou à tout le moins des services de location de voitures avec chauffeur. Le tribunal de Bruxelles a rendu un premier jugement par défaut en 2014 qui donnait droit finalement à la société de taxi, donc en effet les services étaient similaires, et donc a condamné par défaut Uber à 10 000 euros par jour. Uber a fait opposition. Le jugement rendu sur opposition a confirmé le jugement par défaut et a donc abouti à ce que Uber cesse ses activités partiellement. J'entends partiellement, c'est que Uber, vous l'avez sans doute remarqué, a du jour au lendemain arrêté d'offrir les services de Uber Pop et n'a gardé que les services de Uber X. Comment est-ce possible vu l'arrêt ? Eh bien, tout simplement, ils disent Uber X, nous avons ici des chauffeurs qui bénéficient d'une licence de location de voiture avec chauffeur, et donc ils rentrent dans le cadre finalement de la réglementation et peuvent continuer. Cette saga n'est toutefois pas finie parce que
Finalement, le fait de dire que Uber X égale location de voiture avec chauffeur est discutable, puisque normalement, il faut l'existence d'un contrat écrit, et par ailleurs, il faut que la durée des courses soit d'au moins 3 heures, ce qui est rarement le cas dans vos courses Uber. Donc, sans doute que cette saga va continuer, bien que la région bruxelloise ait pris une nouvelle ordonnance pour 2019. Je n'ai pas l'occasion de l'expliquer pour l'instant, ça viendra peut-être dans les questions-réponses. Enfin, pour terminer, le statut social des travailleurs, est-ce que ce sont des indépendants ou est-ce que ce sont des employés? Ça a défrayé la chronique. Il y a ici une grande spécialiste de la question qui a analysé ça dans différentes juridictions, aux États-Unis, au Brésil. Ici, vu la perspective européenne, je m'arrêterai juste à cet arrêt Aslam contre Uber, où le tribunal du travail de Londres, après avoir analysé finalement l'ensemble des documents et avoir analysé la réelle relation de travail qui liait ces chauffeurs à Uber, est arrivé à la conclusion que ce n'étaient pas des chauffeurs indépendants, mais bien des employés. Uber n'était pas content, il avait dit « mais pourtant, nos chauffeurs signent un contrat ou contractuellement, ils disent qu'ils sont indépendants. Nos chauffeurs, en fait, ne font qu'acheter un software, nous dit Uber. Nos chauffeurs, on ne leur offre pas un job, on leur offre une opportunité de gagner de l'argent. » Voilà quelle a été la défense d'Uber. Et la cour a dit, le tribunal et, en novembre 2017, la Cour du travail de Londres a dit non, nous avons bien analysé, concrètement, matériellement, vous êtes des employés. Cela va avoir des conséquences pécuniaires, évidemment, très importantes sur Uber. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce schéma que je trouvais assez révélateur de la situation actuelle de Uber en Europe et même de par le monde. C'est qu'on voit que lorsqu'il n'y a pas de couleur, Uber est légal et permis, et lorsqu'il est en couleur jaune, il y a une interdiction partielle, donc en l'occurrence, en général, c'est on abandonne Uber Pop et on garde Uber X, ou lorsque la couleur est... Ah non, c'est la couleur orange, pardon. Et lorsque la couleur est jaune, c'est une interdiction dans certaines régions, comme à Londres, ou lorsque la compétence est régionalisée dans d'autres sous-catégories. Et donc, on a ici vraiment l'idée d'un patchwork, d'une fragmentation de la situation juridique de Uber. Et on voit que Uber, pour réagir, va devoir, en quelque sorte, s'adresser à un certain nombre d'interlocuteurs très différents. Nous en arrivons, pour garder le temps, au temps de la conclusion. C'est une conclusion qui se fera en 2-3 temps et elle sera assez rapide. Mais quelles sont les conséquences à tirer de cette lutte pour le droit? On voit qu'il y avait un modèle initial qui a été proposé, on voit qu'il y a eu des réactions de la part des parties prenantes, de la presse, des autorités publiques, du pouvoir judiciaire. Et donc la première réaction de Uber et de Airbnb a été d'investir massivement dans le lobbying, tout simplement. Un petit chiffre. Uber, USA, c'est 250 lobbyistes, c'est 30% de plus que le groupe Walmart. Donc, vraiment, un investissement massif. Ils utilisent un lobby également qui m'a fait sourire, puisqu'ils demandent également aux usagers d'écrire des emails, par exemple au bourgmestre, au maire de Londres, pour dire que le fait de retirer la licence est un scandale. Et donc, le maire de Londres a eu 25 000 emails dans sa boîte à messages. Une pétition a circulé avec 762 000 personnes qui ont signé. Donc, on est ici dans des dispositifs classiques de lobbying. Autre réaction de Uber et Airbnb, c'est une stratégie de réaction. Alors, en fonction des cas, la stratégie n'est pas la même. Je dirais qu'il y a une stratégie de défiance, principalement dans le chef de Uber, où ils ont été assez loin. Rappelez-vous, la semaine dernière, Enguerrand, Maric l'a évoqué, mais l'a trop peu développé, c'est que Uber a développé une application, enfin un programme qui s'appelle Greyball. Ça se passe à Portland, en 2014, aux États-Unis. Uber n'a pas encore d'autorisation de mettre des voitures sur la route, donc en deux mots, il est dans l'illégalité, enfin, il ne peut pas mettre son service à disposition du public. Et donc, la police cherche à faire la chasse, en quelque sorte, aux voitures Uber. Et donc, Uber crée une application qui s'appelle Greyball, qu'il donne à ses chauffeurs, et cette application identifie les policiers qui sont dans les environs directs, et lorsqu'ils sont identifiés,
eh bien, leur envoie des faux messages en mettant des voitures fantômes. Et donc, sur l'application, tout à coup, il y a plein de voitures fantômes, et donc la police, finalement, agit sur des voitures, soit qui n'existent pas, soit qui ne sont pas du tout des voitures Uber. Ce qui est embêtant, c'est que, bah, d'abord, c'est une pratique d'évitement de l'application de la loi qui est peu recommandable, mais cette application Greyball, en fait, elle fonctionnait en repérant les demandes qui étaient faites près des bâtiments administratifs, les demandes récurrentes près des bâtiments administratifs de la ville, et dès qu'il y avait cette première indication, elle allait regarder les données de la carte de crédit de l'utilisateur, et ensuite elle allait sur les réseaux sociaux pour voir si c'était bel et bien un policier. Donc vous voyez comme c'était une application qui était très intrusive en termes de protection des données personnelles. Uber a admis sa faute, ça a été dénoncé par le New York Times à l'époque, et qui a découvert le poteau rose, mais on peut dire que c'est particulièrement efficace, puisqu'à Portland, aucun chauffeur Uber n'a été pris en flagrant délit. Donc autant vous dire que Greyball fonctionne bien. On a aussi donc une stratégie de défiance à travers finalement le contentieux, vous le voyez. Uber n'a pas peur de croiser le fer, il y a eu des centaines d'affaires et elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'en appel, elle ne veut pas laisser l'affaire, donc elle a vraiment cette volonté-là. Et elle va même un peu plus loin puisqu'on a pu voir une affaire extra-européenne mais qui est quand même révélatrice de l'état d'esprit au Costa Rica où elle a dit aux chauffeurs costaricains « Eh bien oui, nous avons été condamnés, mais ce n'est pas grave, continuez à rouler, nous payerons les amendes pour vous ». Donc vous voyez qu'il y a une volonté de défiance finalement de l'autorité publique qui est assez forte. Enfin, troisième réaction, c'est les Uber et Airbnb se sont rendus compte qu'ils couraient un risque, que leurs activités soient malmenées, voire fermées. Et donc, pour couvrir ce risque, ils ont décidé depuis maintenant quelques années de diversifier les services. Et donc, on voit qu'Airbnb propose maintenant des services expérience, vous pouvez faire un saut en parachute, faire de la montgolfière, je ne sais pas tout quoi d'autre, Airbnb guide touristique, vous avez l'occasion de visiter des lieux improbables, vous voyez que Uber propose maintenant Uber Eats, Uber Green, donc ils diversifient autant que faire se peut, c'est leur stratégie, donc leur offre de services afin de ne pas être dépendant d'un seul secteur, puisque ce secteur est potentiellement sous la loupe du pouvoir judiciaire et du pouvoir réglementaire. Sur le plan conceptuel, donc on voit vraiment ici qu'en Europe, ces plateformes sont arrivées avec une logique d'autorégulation et que de par les mises sous pression diverses et variées qu'on a identifiées avec vous aujourd'hui, on en arrive à un modèle qui est plus de la co-régulation, c'est-à-dire un modèle où les normes publiques et privées s'agencent, se complètent, voire se contrecarrent, mais qui, en tout cas, à la fin, produisent des effets de régulation. Ces effets de régulation, nous sommes bien en peine de vous les identifier clairement aujourd'hui, parce que, comme vous le voyez, on est encore au cœur de la bataille. Les affaires ne sont pas terminées, ou même lorsqu'elles sont décidées, les effets ne sont pas encore visibles. Ce sont des affaires vraiment qui sont au cœur de l'actualité. Et donc, on voit qu'on se dirige vers un système co-régulé, mais on ne peut pas encore en dessiner vraiment les traits précis. Et dans ce système de co-régulation, ce qu'on peut remarquer, pour reprendre finalement un concept qui est cher à Benoît Friedman et au centre Perelman, c'est que ces plateformes deviennent de plus en plus des points de contrôle, c'est-à-dire qui sont identifiés comme les acteurs les plus aptes à faire respecter les nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire que c'est Airbnb qui maintenant va récolter les taxes d'habitation pour la ville de Paris, pour la ville de Bruxelles, pour Barcelone. Et elle va même se montrer le bon élève de la classe. Elle a dit, mais oui, volontiers, je le fais pour vous. Et donc, on voit que repose maintenant sur les épaules de ces plateformes toute une série de missions qui étaient en général entre les mains des pouvoirs publics. Et il joue vraiment l'idée d'un point de contrôle. Il y a l'exemple des taxes d'habitation, mais on voit aussi que ça a été le cas pour la lutte contre la discrimination qui a été très clairement expliqué par Isabelle Rory et Anna Correa. Et enfin, on peut le voir aussi que maintenant, Uber fait de plus en plus attention à vérifier que les chauffeurs ont des permis, ont des licences adéquates, ont des assurances. Il y a maintenant un contrôle qui est exercé. Enfin, et ce sera le glissement avec
la séance de la semaine prochaine. Je pense qu'il y a deux défis à relever et je vous propose d'en parler maintenant dans la demi-heure, trois quarts d'heure qu'il nous reste. C'est la question de l'encadrement de ces dispositifs de confiance et de réputation qui sont au cœur, qui sont la grammaire en quelque sorte de ces plateformes, parce que ces dispositifs de notation sont à la fois un merveilleux vecteur pour améliorer les services. Soyons en clair, ça c'est très clair, mais ça peut être aussi une arme puissante de discrimination, comme on l'a vu, ou d'arbitraire, qui nous ferait rentrer dans une sorte de société de mouchards. Et le deuxième défi, c'est requalifier l'activité de ces sociétés sans tuer l'innovation et la vraie économie collaborative. Ce que je voudrais juste, et j'en terminerai par là, vous dire, c'est que il faut séparer le bon grain de l'ivraie dans une certaine mesure. C'est que ici, nous ne sommes plus dans un système d'économie collaborative. Ce sont des multinationales qui sont détenues par des grands capitaux de capital à risque de la Silicon Valley, dont le rendement est au cœur du projet. Ces deux sociétés sont actuellement en train de négocier leur entrée en bourse. C'est assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel ils se font. Et donc, il n'y a pas de raison que ces multinationales ne respectent pas les règles du jeu telles que nos autorités publiques l'ont fait. Mais par contre, il faut essayer de préserver cette économie collaborative qui a été identifiée en introduction, qui existe, qui n'est pas la réalité de Airbnb et de Uber. Et celle-là, on ne doit pas sans doute pas leur imposer les mêmes contraintes et il serait sans doute nécessaire de prévoir un régime peut-être plus bienveillant par rapport à cette pratique où la rentabilité n'est pas au cœur processus. Nous vous remercions pour votre attention et sommes ravis d'attendre vos questions.